Merci de faire un triomphe à Alexandra Lamy. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous présenter par instant ce soir. Voilà, c'est la toute première fois qu'on dévoile le film au public, donc c'est un moment important et émouvant pour nous. Et d'ailleurs, l'idée d'émotion, c'est un peu la première chose qui vient en tête quand je parle du film, car par instant, c'est d'abord pour moi un scénario qui m'a bouleversée, absorbée littéralement et profondément touchée. Et ce scénario, c'est l'histoire de deux femmes, de deux destins particuliers qui ont pu être prise avec le monde compliqué qui nous entoure, et je trouve que c'est une des forces et une des réussites du cinéma que de réussir à de parvenir à raconter quelque chose de très universel par le parcours de destin singulier, de parcours singulier. Et c'est tout talent de Nathalie, l'autre talent au-delà du scénario de Nathalie, que d'avoir réussi à parvenir avec force, choix de réalisation, avec tous ces choix de réalisation, d'avoir réussi à tenir ce film. Et autre chose qui m'a beaucoup séduit chez Nathalie, c'est son énergie contagieuse, sa détermination sans faille, que tous ceux qui ont travaillé avec elle ont pu remarquer, j'imagine, et c'est ce que vous verrez dans le film ce soir. Donc c'était une belle rencontre, et c'est ce qui m'a aussi déterminée à lancer dans l'aventure, parce que fabriquer un film, c'est toujours une aventure en soi, et dans cette aventure, nous ont suivi les partenaires financiers, Canal Plus et Ciné Plus, les diffuseurs, les chaînes du film, et surtout les investisseurs privés. Alors c'est une chose assez rare dans le secteur pour être souligné, et je tenais ici à les remercier, ils sont présents ce soir, au nom de la production, d'avoir cru au film et de s'être investi aussi artistiquement jusqu'au bout et de nous avoir suivis. Un petit mot pour la structure de production, les films d'ici et tous ceux qui la représentent et qui sont là ce soir. Et je voulais saluer aussi les acteurs, à commencer par la sublime Alexandra Lamy, qui a personnage. Bruno Todeschini, qui a nécessaire à l'histoire, vous comprendrez pourquoi. Et les acteurs, les autres acteurs qui n'ont pas pu être présents ce soir, je pense à Monty Jodorowsky qui est en tournage à Londres en ce moment, à Sonia Wanda qui est entre Oslo et Los Angeles, Rafa Moussou et Farid Akhshani. Voilà. Je vous rappelle simplement que le film sort le 15 novembre, et non pas le 8 comme vous pourrez le penser, donc le 15 à Paris et en France dans toutes les bonnes bijouteries. Voilà, merci. Je vais prendre la parole pas longtemps, parce que déjà je vous remercie tous de nous avoir attendus. C'est très très émouvant pour moi de vous présenter le film. Je ne vais pas raconter toute la genèse, mais c'est vrai que c'est un film que je porte depuis très longtemps, qui est né il y a près de 10 ans maintenant, et j'arrondis lors d'un voyage où je me suis retrouvée à Tanger au Maroc face à une jeune femme nigériane qui m'a mis son bébé dans les bras et qui m'a dit de le prendre. Le film est né de là. J'ai ensuite eu la chance d'avoir des gens qui ont eu à côté de moi la folie d'y croire, et la première personne, ça a été Alexandra Lamy, que je suis allée voir. On s'est rencontrés par hasard à une masterclass d'écriture, et on s'est parlé, et elle m'a dit « ce que t'écris ?» J'ai dit « oui, je vais passer mon scénario », elle l'a lu, et elle y a cru tout de suite. Et je dois dire que ça, c'est assez magique, et que j'en remercie infiniment, parce que le moment où elle a lu le scénario, et où elle y a cru, elle, en tant qu'actrice, elle a commencé à lui donner vie. Et c'est vrai qu'après, forte de sa conviction aussi, j'ai pas lâché, avec plein de partenaires qui nous ont rejoints en cours de route, jusqu'à Laura, qui avait aussi la folie d'y croire avec moi, parce que c'était un film qui n'était pas évident à monter pour plein de raisons. Alors aujourd'hui, on parle de film de femmes. Ben oui, il y a un film de femmes avec des personnages principaux féminins. C'est pas toujours évident dans le marché du cinéma actuel. Moi, c'était l'histoire qui m'imposait, donc ça ne se discutait pas. Ça ne se discutait pas non plus que ce soit Alexandra, avec à ses côtés une jeune inconnue, Sonia Wanda, que vous allez découvrir dans le film, qui est merveilleuse. Et puis, avant de parler, parce que forcément, là, c'est des acteurs, donc Bruno est là, et qui incarne magnifiquement la gente masculine. Côté aussi de Monty Jodorowsky, et ça va être un film de femmes. Moi j'adore les hommes, je le dis, parce que souvent on me dit, mais vous n'êtes qu'un film de femmes, vous n'aimez pas les hommes, si, j'adore les hommes, un des hommes de ma vie,
dans la salle, forcément. Mes deux autres sont dans leur ligne, je pense fort à eux. Voilà, je me perds un peu, mais je voulais aussi effectivement remercier tous les gens qui ont cru à mes côtés. Je pense qu'ils vont se reconnaître, parce que si je les nomme tous, ça va être compliqué, et qui ont cru avant tous les autres. Et ça, c'est quelque chose qui m'est très précieux. Toute l'équipe du film, sans laquelle je n'aurais pas pu le faire, parce qu'un film, on ne le fait pas seul, c'est une somme d'énergie. Et tout ce que vous verrez dans le film, c'est aussi le talent d'équipe. J'en suis infiniment reconnaissante. Et voilà, j'ai une dernière pensée avant de passer le micro, et surtout voilà, d'espérer de vous montrer le film, parce que je suis là pour ça, pour partager. Une dernière pensée pour les absents, certains absents, mes parents qui ne sont pas là ce soir pour voir ce film, mais qui sont quelque part dedans, parce que voilà, ils sont en moi, je les porte, et je pense que le film traduit forcément des choses aussi qui m'ont transmise. Voilà, je passe le micro à Alexandre. Bien, bonsoir, merci d'être là ce soir. Donc, c'est une grande émotion parce que, comme le disait Nathalie, on s'est rencontrés il y a 7 ou 8 ans lors de cette masterclass où elle m'a fait lire son scénario. Et franchement, quand je l'ai lu pour un premier scénario, je me suis dit waouh, c'est super cool d'écrire un film comme ça. Donc j'ai trouvé ça formidable. Et juste pour raconter un petit peu, parce que c'est vrai qu'un film c'est toujours difficile à monter, surtout quand c'était ton premier film, on ne connaissait absolument pas Nathalie. Moi, j'étais en plus encore dans une période où mon nom pouvait être monté sur des films de comédie ou des films plus légers, mais pas encore sur ce genre de film. Et donc, pendant quelques années, on a essayé de monter ce film ensemble et c'était très compliqué. Et au bout de quelques temps, j'ai dit à Nathalie, ce film est magnifique, ton scénario est extraordinaire, il faut que ce film se fasse. Prends une autre actrice qui sans doute pourra porter ce film-là, qui pourra avec son nom le monter, parce que je pense qu'avec moi, ça va être difficile. Et juste avant de raccrocher, je lui dis, mais tu verras, tu seras obligé de m'appeler et ce sera moi qui ferai le film. Donc voilà, après l'actrice n'a pas pu, et puis moi, mon nom a permis effectivement de pouvoir monter ce film-là. Et un grand merci parce que tu m'as donné un cadeau merveilleux. Et c'est vrai que les premiers jours de tournage, on a démarré à Paris, mais surtout au Maroc, on était très très émus parce que c'était une aventure de 8 et voire 10 ans. Et enfin, quand ça voit le jour, on était extrêmement émus et très touchés. Donc je voudrais remercier vraiment Nathalie. Je voudrais remercier évidemment tous ceux qui nous ont soutenus. Et puis notre équipe technique qui a été extraordinaire. Je leur dis un grand merci parce que c'était pas un tournage très facile. On a beaucoup bougé, on a beaucoup tourné, on a fait des 6 jours sur 7. Donc merci de nous avoir soutenus, vraiment. C'était sans vous, on n'est rien. Donc mille merci à l'équipe technique, à tous les acteurs. Merci Bruno d'avoir été mon mari. C'était merveilleux. Donc voilà, j'espère que évidemment Sonia qui n'est pas là et mon Tis, que je remercie de nous avoir accompagnés sur cette aventure. Mille merci d'avoir été là ce soir en tout cas, et puis j'espère bon film. La parole, c'était le dernier mot, c'est terrible de m'asseoir derrière, c'est pour ça que je dis toujours. J'ai fait les chiens, c'est une petite partie humblement que j'ai faite, mais que j'ai adoré faire avec ces deux films. Oui, mais on te remercie vraiment parce que c'était important que tu le fasses. Ouais. Moi, je veux dire juste une chose, c'est pas toujours facile quand on va voir un grand acteur, de lui dire, voilà, est-ce que tu veux bien faire 2-3 scènes dans mon film? Ouais. Et c'est vrai que Bruno a eu l'humilité de me dire oui, et vous allez voir. J'ai pas envie de vous en dire tellement plus. Moi, je n'ai pas vu le film encore. Son personnage existe. Je vais le voir maintenant, on s'en parlera tout à l'heure. En tout cas, c'était un plaisir énorme de travailler avec vous. Merci, votre projet de film. Merci.